Salut à tous, c'est Win et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Ouais, c'est bon, c'était une intro comme ça. Voilà, parce qu'on est dimanche et dimanche. Alors les gars, apparemment on est dans l'espace. Donc, d'après le titre du parcours, Space Parcours. Donc on est dans l'espace, techniquement on va voler. Et puis les gars, donc on va voir ce que ça donne. On va voir si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, on est dans l'espace, et d'ailleurs il neige en France, hein, partout, et là on est avec un véhicule enneigé. Oh, ah oui. Enfin, il neige partout, sauf à Marseille, d'accord, parce que nous on n'a pas la neige. Ah, il neige pas chez vous? Non, mais non, abuse, il neige pas. Sérieux? Oh, bon. Bah, Marseille, quoi. Quoi? What? C'est passé quoi? J'ai utilisé un truc, je sais pas quoi. Comment c'est que t'es tombé? C'est trop stylé, franchement, c'est stylé à mort les... Le cœur, non? Et ben on était dans l'espace, on est descendu sur Franchement, Terre. Pas mal. Wow. Alors les gars, le record, c'est 7 minutes 30. Oh là là, il m'entraîne dans sa chute. Oh là là, Gabriel. 7 minutes 30, le record, les gars, c'est que ça commence mal. Allez. Je vous mets au défi, les gars, de finir ce parcours en moins de 9 minutes. Moins de 9 minutes. Ouais. 9 minutes. Ah oui, c'est précis. On a avec les babouins déjà les membres, hein, au passage. N'hésitez pas, si vous voulez devenir membre, vous avez le lien en description pour jouer avec nous. Oh, merci. Voilà, les membres, hein, les pousseurs. Ou les membres, hein, ça dépend, des fois on les appelle les pousseurs, des fois on les appelle les membres. Non, franchement, tu m'as aidé là, je suis passé impeccable. Ah, t'es passé en plus? Bah, quand même. Tu m'as dégommé à cause que t'es passé. Bah oui. Oh là là là. Allez, la buse il est bien. La buse, on compte sur toi pour battre le record. Ah, moi je suis parti. La buse, ex-champion de la Une Cup. Qu'est-ce que ça fait d'être ex-champion de la Une Cup? Bah, ça fait que... pas être champion tout court. Du coup, t'es pas champion. C'est Kosla le champion, mais je pense que la Human Cup 4, il va se faire humilier, je pense. Je pense, hein, que là, la buse, il est en train de s'entraîner tous les là, jours. Il a... On peut dire qu'il fait 300. Bah, même Kosla, il s'entraîne, attention, hein, Kosla aussi, les gars. La Human Cup qui aura lieu, les gars, en février, hein, vacances de février. Human Cup 4, avec à la clé des choses pas mal. 1000 euros, allez. 1000 euros, j'aimerais bien. S'il y a des marques, hein, pourquoi pas. Une PS5, non? Ouais, ou une PS5. Bon, il est chaud, il veut gagner. Il a fait la PS5 à Noël, il est dégoûté. Il l'a fait là, pour la Link Up. Oh, une PS5. J'en ai déjà offert une sur Instagram. En plus, c'est Denji qui a gagné. Dédicace. Denji. Je vous jure, les gars, c'est un gars qui est du RP qui a gagné le concours alors qu'il y avait au moins, je crois qu'il y avait 15 000 commentaires. Ouais. 17 000, je crois, un truc comme ça. Oh la vache, je suis tombé au dernier, les gars. Oh là là. Moi, je dis une nuit non place. Tu imagines? Dans sa propre vidéo. Non placé. C'est possible. Il est dernier. Non, mais j'ai pas de chance parce que le véhicule là, il est horrible. En sachant qu'il est... Oh là là, je viens de me faire carmater. Mais t'as vu ce qu'il fait, le véhicule? Eh, tu sais que je suis tombé, j'ai eu le temps de respawn et tout. Personne m'a rattrapé, franchement. Je suis toujours 3ème. Mais t'as Anto, toi, c'est pas pareil. Non, j'ai pas Anto celui-là, franchement, honnêtement. Alors, tu nous as pas dit... La buse, il nous a pas dit avant la vidéo, ouais, j'ai Anto celui-là, les gars, par contre. Bah oui. Ah, merci. Les gars, on est d'accord ou pas? Ouais. Il m'a même envoyé un parcours sur Instagram tout à l'heure. Preuve à l'appui, hein, je vous montre ça tout de suite si vous voulez. C'est quoi, je vais montrer ça à la fin de la vidéo, je vous montre les messages. Allez, c'est noté. Wow, c'est stylé ça. On va voir, t'es passé ou pas? Ouais, moi je passais. Hein. Wow, c'est stylé ici. Donc, qui c'est qui est passé devant moi? Oh, c'était sympathique là. Ouais, mais comment t'as fait? Parce que moi j'ai pas d'élan depuis tout à l'heure ici en fait. Ça, ah ouais? Bah ouais. Oh, franchement, je suis bien passé. Par contre, c'est qui est devant moi là? Pancrate et la buse, ok. Pancrate qui n'est pas parmi nous malheureusement. Dans le vocal. Parce que il ne peut pas, sa mère ne veut pas. Du coup, je vais en scred sous la côte.
Oh les bottes. Il fait la pyramide avec ses pieds. Ah les bottes, la pyramide avec ses pieds, on l'a tous fait celle-là les gars. Qui l'a fait dans les commentaires? Sous la couette tout ou dans le fond? Tout le monde, je pense. Tout le monde. Non, moi j'avais la PSP à l'époque, donc je faisais ça avec la PSP. J'avais GTA Vice City dessus, c'était magnifique. Ou Liberty City. À l'ancienne. Ouais. D'ailleurs, GTA 6, vidéo GTA 6 qui est sortie hier. Pas mal également. Donc n'hésitez pas. Je sais pas, c'est des lampes pour le. Ouais, bah moi aussi en fait, du coup il faut faire un perfect et quand tu fais un perfect, bah t'as assez d'élan. Alors, vous êtes au bout de combien. Il vous reste combien de points les gars vous? La buse? Moi je suis au 8ème sur 4. Moi je suis au 7ème. Moi je suis au 12, 5 minutes 20. Peut-être que la buse va battre le record qui est de 7 minutes 30. Moi ça va être compliqué parce que je suis à. Mais il aurait quand même plus de. Ouais, ça va être compliqué parce qu'en plus. Ah ouais, mais les gars, la Space Docker, franchement. Voilà quoi. Stylé mais dégueulasse. C'est pas le véhicule qu'on aime quoi. Ce qu'il y a, c'est que dans les descentes, quand tu freines quoi, voilà. Ils freinent pas quoi. Ouais. C'est pas the véhicule, ça que tu veux dire. Il est gros, mais ils freinent pas. Ok, pour l'instant. Oh non, il y a les trucs fins. Ah, j'aime pas les trucs. D'ailleurs, je vais raconter une petite anecdote, tiens, au passage. Ce matin, enfin non, avant-hier, je me suis lavé les oreilles avec un coton-tige. Okay. Pour une fois. Sauf que, en me lavant l'oreille avec le coton-tige, les gars, j'ai trop rentré le coton-tige. Ah ouais, t'as saigné du coup. Du coup, j'ai saigné. Ah ouais, ça fait super mal. Et je l'ai pas senti sur le coup, moi. Donc, du coup, ce matin, je me réveille, tout, je prends ma douche. Bon, je me mets un coup de coton-tige, c'est comme d'hab, quoi. T'avais une je me mets un coup de coton-tige, je vois plein de sang dans le coton-tige, j'étais choqué. Je me dis, ah ouais. Oh. Ah ouais, franchement. Et du coup, c'était du sang tout liquide avec du liquide blanc et tout. Ah oh, dégueulasse. Bon appétit. Ah. Attends, je mange pas. Et du coup, je suis allé chez le médecin et en fait, mon tympan n'est pas touché. Et du coup, ce qui a été touché, c'est le conduit. J'ai gratté le conduit. Le conduit. Ouais, ils appellent ça le conduit, je sais trop quoi. Je sais pas ce qu'il m'a raconté. Elle est pas mal celle-là, le conduit. Il y a le câblage et tout juste en haut aussi. Il a gratté le conduit. Oh les bottes. Il y a les câbles, il y a la fibre. Il y a la fibre optique. Il y a la 5G. Il y a la 5G. Exclu mondial. Il y a la 6G. Par contre, les gars, que cela, je veux pas lire, mais je te vois pas, quoi. Oui. Écoute, je suis quatrième. Tu tombes ici, t'as mal. La Space Docker, franchement, elle est pas en ma faveur. Donc, voilà mes arguments. Moi, je vais pas dire, mais ça promet pour la Unicup 4. Hein. Parce que pour la Unicup 4, je sais pas comment ça va se passer celle-ci, mais je pense que je vais essayer de recruter des nouveaux joueurs. Donc au passage, si vous voulez devenir membre, vous pouvez venir et participer à la Unicup 4. Peut-être que je ferai une petite séance de recrutement en vidéo. Voilà. On verra bien. Mais il a pas battu le record, hein? Non, la bus, non, 8 minutes. Combien de temps, la bus? 8 minutes, t'inquiète. Ouais. Ça va. 8-0-7. Ça va. 8-0-7, 30 secondes de plus. T'es tombé où? T'es tombé où? Est-ce que t'es tombé des fois? Mais vas-y. Ouais, je suis tombé que à la fin. Que à la fin? À la fin, là, au point final. Ouais. Ouais, donc. Par contre, comment ça se fait que. Passer. Moi, je suis dans les trucs fins, là, laisse tomber. Comment c'est que je suis passé 3ème là? Moi oh, je suis 2ème. Ah ouais, pas. Ouais, oh, je suis repassé. Ouais, il y a eu un bug. Ouais, parce que moi j'étais 3ème d'un coup. Bah pareil, j'étais 2ème. Je me suis dit ok. Ok, bon. On va faire ça. Il nous en reste plus qu'un, les gars. Allez! Bon, déjà, t'es pas non classé, c'est cool. Ah ouais, parce que Kossé, il dit non classé, mais c'est plutôt toi qui es non classé.
Bah là, je suis non classé. Enfin, si tu... je pense que je vais être non classé. Ouais, je pense. Après, le parcours est stylé, franchement. Je me concentre. Tu sais que vous kiffez ma tête quand je fais les parcours. Défi moins de 10 minutes. Ils font des screens, les malins. Ça y est ? Ouais, c'est fini là. Ok. Ah, je pense que ça vous a fait pareil. Ouais, pareil. Vers quoi là ? Bah, tu vas tout droit là. C'est bon, va tout droit à fond. Ah, mais attends, le pont il était par terre. En fait, j'aurais pu sauter directement depuis tout à l'heure. Ok, 10 minutes 15, le parcours, ça va. Franchement, j'ai fait des petites erreurs, j'aurais pu finir en moins de 10 minutes. C'était un parcours pas mal. On va quand même montrer. Alors, attendez, regardez s'il vous plaît, parce que là il y a écran noir. Mais on va quand même montrer les gars, les non classés, hein. Les trois non classés de la course. Bambam, Monster Vid et Kosla. Kosla vainqueur de la Mulcap 3, qui est non classé. Bravo. Et bah, bravo, Kosla. Qu'est-ce que t'as à dire à ceux qui t'ont soutenu pendant le live? D'ailleurs, t'as été beaucoup soutenu avec la buse. Les deux qui ont été le plus soutenus, c'est toi et lui. C'est vrai que même les gens qui ont fait les dons pour moi, c'est vrai. Donc, je vous rappelle que le Mulcap 4 aura lieu en février. Kosla, t'es nul, t'es non classé. Ciao tout le monde. Voilà. Et moi, je